Donc quand vous double-cliquez sur un motif dans la palette nuancier, on passe en mode isolation. On ne travaille que là-dessus. Tout le reste de l'illustration va ne plus être visible. Et on sort du mode isolation avec la petite flèche quand on a fini l'édition du motif. Alors regardez ceci parce que c'est un gros piège dans Illustrator. Ça va forcément vous arriver quand vous faites une illustration comme ça. Voilà. Okay. Vous avez une illustration. Si vous double-cliquez sur une forme, les autres formes s'affadissent. Vous êtes passé en mode isolation pour ne travailler que sur cette forme. Si je vous en parle, c'est parce que c'est forcément un piège. On double-clique sur une forme et puis voilà, on est en mode isolation. On ne comprend pas pourquoi les autres formes ne sont pas accessibles. Mais il faut sortir de là. Si ça vous ennuie que ça fonctionne comme ça, dans les préférences de l'illustrateur général, on peut décocher ceci. Dans les préférences générales, on peut décocher, cliquer deux fois pour isoler. À partir de là, quand vous double-cliquez, ça ne passe plus en mode isolation. Il faudra faire un clic droit, isoler le tracé sélectionné pour que ça le fasse. Dans les préférences ici, je pense que ce sera pour tout document. Je vais tester avec un nouveau document. Et ça restera si on quitte Illustrator et qu'on le rouvre, sans le remettre à zéro. Oui, en effet, ça reste. OK. Donc le mode isolation. Très pratique quand vous avez des amoncellements de formes et vous voulez travailler sur une seule des formes. Par exemple, comme ça, voilà. Je veux travailler sur la forme bleue seulement. Je double-clique, non pas je double-clique puisque j'ai désactivé ça. Je vais faire une sélection avec la flèche noire, puis un clic droit, isoler le tracé sélectionné. Et là, je peux aller manipuler la forme. Les autres, je les vois toujours comme référence visuelle, mais je ne m'ennuie plus avec le fait qu'elle s'active ou pas par erreur. Donc voilà, c'était important que je vous parle de cette fonction parce que c'est ennuyeux dans Illustrator. Pour les débutants dans Illustrator, c'est vraiment un truc ennuyeux. Le fait qu'en double-cliquant, on isole le tracé sélectionné. Et je vous en ai parlé parce qu'on a vu qu'on isolait aussi donc le motif pour pouvoir le paramétrer.